Alors, comment je le calcule? Je prends ma calculatrice et j'ai plusieurs façons. Soit je vais taper la fraction que je viens d'écrire ici, soit j'utilise un opérateur spécial qui est dans ma calculatrice. Dans tous les cas, je vais faire les deux parce que plus vous en avez, mieux c'est. Donc, je vais dans ma partie exécuter calcul, donc le premier menu de ma calculatrice Casio. J'appuie sur la touche option. Quand vous avez toujours des opérations particulières, généralement vous trouvez votre bonheur ici dans le menu options. Dans le menu options, j'ai un menu déroulant là qui va apparaître. Vous appuyez sur F6 et vous allez chercher celui des probabilités. C'est normal puisque c'est un calcul de probabilité. Donc en fait, ça se passe en logique. Hein. Et vous allez avoir le menu qui apparaît. Et là, vous, qu'est-ce qu'on voit en F1? Vous avez le X avec le point d'exclamation. C'est comme ça que vous pouvez apparaître votre factoriel. Regardez, si j'appuie sur F1, hop, le factoriel apparaît. Alors, ben, je vais rentrer ma fraction hein, telle quelle.